Ah, ils sont deux. Ah, comment vous allez? Ils sont pas contents. Faut qu'ils ont pas apprécié. Oh, 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 ils grimpent aux arbres, les enfoirés. Ils sont aussi agiles que moi. J'y crois pas, faut vite que je rentre à chez moi. L'objectif du premier campement, c'est fait. On verra pour le reste. Wow! Wow! Vite! Qu'est-ce que c'était? Jette des bombes, wow! On me jette des bombes, j'y crois pas. Ah, oh, je vais mourir, je vais crever. Je vais crever comme une merde. Vite. Vite, vite, vite. Un arbre. Faut que je me cache dans les hauteurs. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un cochon, sanglier. Vite. Est-ce qu'ils m'ont suivi ou pas? Je pense que c'est bon. Je suis à l'abri. Oh là 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 là. Oh, y a un gobelet encore là-bas. Je suis pas du tout débarrassé de cette vermine, il faut que je mange. Ah mais j'ai failli crever. J'ai failli mourir, je viendrai à bout de ces gobelins. J'en ai fait la promesse, j'en fais la promesse. Ah le stress, ah le stress. J'attends de récupérer, je vais continuer de fouiller cette forêt. Et je suis pas du tout parti dans la bonne direction. Je crois que je suis parti en direction de la lune. Je suis allé vers l'ouest alors que ma maison était au nord du campement que je viens de détruire. J'ai donc fait n'importe quoi sous la panique et il va falloir que j'apprenne à rester calme en toute situation. Voilà, c'était pas du tout le cas, je suis parti dans tous les sens. Il va falloir que je m'en remette, je suis essoufflé. Oh mon dieu. C'est calme, tout va bien, je m'en remets par chance. Le gobelin équipé de bombes ne m'a pas suivi, mais ça m'a fait bien mal. J'ai vu de la lumière là il y a quelques secondes, mais par là-bas il me semble. Ah oui non, c'est d'où je viens, pas que je me trompe. Là-bas c'est donc le campement que j'ai réussi à détruire. Et là-bas il y a encore de la lumière. Il faudra que j'aille voir par là-bas. J'en sais plus, je sais plus en fait, faut que je regarde ma carte. Je suis où? Je suis où? Ok. Donc, le campement que j'ai détruit est derrière moi, le village est exactement au nord de l'endroit où je me trouve. Et par là-bas, bon, je dois pas être loin d'un deuxième village qui est normalement dans la forêt. Et il me reste donc tout le sud de la forêt dans laquelle je me trouve à visiter et à fouiller pour trouver ce deuxième campement gobelin. Et réussir à nous en débarrasser. Eh bien, je vais pas attendre le jour pour commencer à fouiller. Je vais donc regarder par là-bas. Et je vais faire ça en sautant d'arbre en arbre. Pour plus de sécurité. Le gobelin, juste là. Heureusement que je suis agile et que je sais me déplacer de branche en branche. Ça, c'est un véritable atout. Lumière par là. Oh oh, j'ai l'impression que j'ai trouvé le deuxième campement. Et j'ai l'impression de voir un totem et un feu de camp. Par contre, étrangement, je ne vois pas de maisonnette. Aucune cabane de cette vermine à l'horizon. Par contre, j'entends leur rire sardonique. Je ne sais pas si ça se dit, mais je crois que c'est ça. Satanique même. Hop là. Je suis toujours suivi par ce petit gobelin en fait. Écoutez, je vais m'en débarrasser. Wow, wow, wow. J'ai particulièrement mal. Aïe, aïe, aïe. Le combat à distance est quand même préférable.
particulièrement costaud. Vraiment que je me méfie. Je vais essayer de pas mettre le feu à la forêt. Une nouvelle fois, je vais m'approcher de ce campement tout doucement. Je vais rester dans les hauteurs, histoire de pas prendre trop de risques. De la lumière là-bas, je pense que c'est le village, effectivement. Ah, les pauvres. Et si forcément, ils habitent en pleine forêt, s'ils ont un campement à quelques mètres de chez eux, effectivement, j'ai l'impression que c'est pas habité du tout cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? On a une petite famille de sangliers qui sont en train de se jeter dans le feu. Pour des raisons qui m'échappent, mais je ne vois aucun gobelin. Ok. Bonjour monsieur le sanglier. Wow, putain! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow! Cours, 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 cours! Cours, 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 cours! Ah! Je me bloque contre un arbre. Cours, 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 ça doit être super rapide! Oh, le village, non, je peux pas aller vers eux! Je peux pas leur. Oh, wow, 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 du gobelin! Cours! Rush! Oh, le truc de fou! Des gobelins montés sur des. Sur des chiens! Wow, 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 wow! Alors là, ça va être tendu, de chez tendu. Il m'a l'air super costaud. Ah, wow, 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 wow. Je suis encore en train de mettre le feu à la forêt. Peu importe. Alors là, ça va être tendu, tendu, tendu. Wow, wow, j'entends encore grogner. C'est pas possible. Voilà que... Oh, je me fais attaquer par tous les chiens de la forêt pour le coup. Cours, 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 cours. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Comment aurais-je pu de toute façon? Je vais essayer de me rapprocher de ce campement. Il faut que je détruise. Merde, j'ai pas... Wow, cours, 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 c'est pas possible! J'ai pas passé mon temps à fuir! Oh, je crois que le chien est mort, ça c'est une bonne chose. Mais alors moi je suis sur le point de crever aussi, quoi. Ouh, j'arrive même plus à sauter tellement je suis épuisé. Allez, un arbre, un arbre, un arbre. Oh, le jour se lève. Ça va être bien, faut que je mange, faut que je mange. C'est un truc de fou! Comment ai-je pu accepter et vouloir me lancer dans une telle mission? C'est pas possible. Je crois que j'ai pas du tout l'étoffe d'un héros. Je suis loin de pouvoir remplir ce genre de quête et de les réussir. Oh là 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 là, le stress total face à ces gobelins. Des gobelins montés sur des loups. J'aurais tout vu. Je devrais peut-être attendre de récupérer totalement ma vie. Avant d'y retourner, je vais m'équiper de la pioche. C'est ça qui m'a perturbé tout à l'heure. Je ne l'avais pas sur moi. Il faut absolument... Ce qu'il faudrait, là, c'est que je cours jusqu'au... Que je cours jusqu'au totem. Et que je pète le rocher qui les fait apparaître. Cette espèce de rocher magique. J'y vais. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça alors? C'est quoi ce délire? J'ai rêvé. C'est pas possible. Le rocher était bel et bien un rocher qui faisait apparemment... Enfin, sculpté avec... D'où est apparu des gobelins montés sur des chiens, des loups? J'ai pas rêvé. Qu'est-ce que c'est que ce Beats? Je vais casser ce totem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors je ne suis pas seul à me battre contre quelqu'un ou quelque chose m'aurait aidé? Je ne sais pas. C'est vrai que là en même temps, de l'aide était la bienvenue. Je vais éteindre ce feu.
Je vais détruire ce campement totalement et définitivement. Voilà qui est fait. Un arbre a dû être coupé juste là. J'ai l'impression de ne pas être seul. C'est très très étrange, cet arbre coupé. Ce bloc sculpté d'où apparaissaient les gobelins transformés en pierre. Là, je ne comprends plus. Là, je ne comprends plus. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Est-ce que c'était bel et bien le... Le deuxième campement, je n'en sais rien. Alors là, je suis en panique et en stress. Ça m'inquiète d'autant plus. Je vais vite rentrer chez moi. Et normalement, si je consulte ma carte, c'est vers le nord, ça doit être par ici. Et je vais quand même rester extrêmement vigilant. Je ne suis pas convaincu d'être totalement débarrassé des gobelins. Et à mon avis, il y a quelqu'un d'autre dans cette forêt. Je ne sais pas si c'était pour m'aider ou au contraire. Une autre entité malfaisante, je n'en sais rien. J'ai presque pas envie de le savoir. Ce que je vais faire déjà, c'est rentrer jusqu'à ma maison et m'y reposer, le temps de me remettre de toutes ces émotions. Là, je suis dans un état de nerfs pas possible. Je ne devrais plus être très très loin de ma maison. Je connais ces arbres par cœur. Je reconnais cette forêt. Je n'ai croisé aucun gobelin, aucun ennemi. Je pense que la menace est écartée. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà mon chez-moi. Oh, ça fait du bien. Un endroit familier. Qu'est-ce que c'est? Il y a un coffre posé devant ma porte. Ah, peut-être les villageois. Pour me remercier. Et ce serait une très bonne chose. Exact. Ah, il y a un mot. Je vais le lire de ce pas. Cher Gus, c'est avec beaucoup de courage et d'abnégation que vous avez réussi à débarrasser la forêt de tous les gobelins qui s'y étaient établis. Ainsi, et comme je l'espérais, vous avez protégé les villageois voisins et leurs habitants. Les villages voisins et leurs habitants vous en sont reconnaissants. Vous trouverez dans ce coffre quelques vivres qu'ils ont souhaité vous offrir pour vous remercier. Je dois désormais vous révéler plusieurs choses. Je me nomme bien Ariane, mais je n'habite pas la bourgade voisine. Je suis plutôt une sorte de... d'esprit ou d'ange gardien. Je ne peux vous en dire plus, sachez simplement que je suis là pour vous aider à accomplir votre destinée. Je vous ai d'ailleurs filé un petit coup de main tout à l'heure. Vous sembliez être en grande difficulté. Toutefois, à l'avenir, je ne pourrai plus intervenir comme je l'ai fait aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater vous-même, un mal sombre envahit Brumelune, et une nuit éternelle est en train de recouvrir les terres habitées. Je ne me suis pas trompé à votre sujet, et je sais désormais que votre destin est lié à cette menace, et que vous êtes capable de nous aider à protéger les terres de Brumelune. Pour vous encourager à accomplir vos prochaines quêtes, et comme j'ai constaté que vous n'aviez pas un sens de l'orientation très aiguisé, je vous offre un moyen d'éviter de vous perdre dans les grottes et les denses forêts. Voici un fil magique qui vous permettra de retrouver votre chemin si vous pensez à l'invoquer. Je vous laisse récupérer de cette première aventure. Reposez-vous, vous aurez de mes nouvelles très bientôt. Ariane. Waouh, un fil magique, si je pense à l'invoquer. Bon, je vais essayer. Alors, j'invoque le fil magique. Oh, ça ne marche pas. Fil magique! Je vais peut-être tenter de me concentrer un peu plus. Fil magique. Eh ben rien. Ça ne marche pas du tout, son truc. C'est complètement débile. J'invoque le fil magique. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? Waouh. C'est génial. C'est complètement génial. Mais ça reste pas bien. Ah si. Ah oui, d'accord. Et ça me permet de revenir sur mes pas et de retenir l'endroit d'où je viens d'arriver. Merci Ariane pour ce fil. C'est juste énorme.
Je vais retenter. Je vais aller me perdre dans la forêt, histoire de pouvoir le tester correctement. Imaginons que je pars en mission, en quête. Oh, je suis perdu. Oh, peu importe, je me retourne et je retrouve mon chemin grâce à ce fil magique. C'est génial. Ça va m'être d'une grande utilité et ça m'aurait bien servi aujourd'hui. Je ne me serais pas perdu dans cette forêt que pourtant je connais plutôt bien. Impeccable, parfait. Bah, je vais récupérer ces vivres, je vais les ranger et effectivement, je vais tout de suite aller me reposer car j'ai le sentiment que les affaires vont reprendre très très vite. Deuxième lettre que je range ici. Bon, eh bien, je vais tenter de dormir et de trouver un petit peu de repos et de réconfort. Ce qui ne va pas être simple. Suite des aventures, très bientôt.